Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo vraiment très très importante qui m'a été énormément demandée par vous, la famille. Juste avant qu'elle commence, hein, vous ne faites pas les radins en like, parce que je vois plus short vidéo, plus vous êtes radins en like. Non mais c'est quand même fou ça. À chaque fois que j'arrête pendant 6 mois, je reviens, les gars, hop, vous mettez 4000 likes. Si je suis actif, vous en mettez 1000. Bref, la famille, je compte sur vous, mettez le petit like, le petit abonnement, le petit partage qui fait toujours plaisir. Je vais vous montrer la chambre de Momo, comment elle est aujourd'hui et dans quel état, entre guillemets, elle a laissé en rentrant en prison. Et bien sûr, comment je vais lui transformer pour sa sortie. Si, par tout hasard, Momo revient à la maison, je ne sais pas encore ce qu'il va faire, je ne sais pas encore les choix qu'il va faire, mais même si demain, il ne compte plus faire de contenu, qu'il le sache directement dans sa petite tête, il est toujours le bienvenu chez lui. Voilà. Momo, ça n'a pas été mon frère. Ça a été mon fils, je l'ai élevé. Donc, les tahan qui comptent un jour me séparer de mon frère, wallah, vous avez rien compris. C'est pas parce que je parle pas, que je dis rien, que je suis dans mon coin, que c'est de la faiblesse. C'est juste de l'attente. Bref, la famille. Mon frère, il est en prison, miskin, dans une petite boîte. Il en sort bientôt, inchallah. Il y a beaucoup de choses qui lui sont peut-être passées par la tête. Il y a des gens qui lui ont fait passer des choses par la tête. Bref. Ça, on comprendra ça plus tard. Là, maintenant, suivez-moi, je vais vous montrer sa chambre, le avant. Et dans la vidéo, ben, vous aurez le après aussi. Dans cette vidéo-là, vous inquiétez pas, d'accord? Et en tout cas, voilà. Si mon petit frère veut venir, marhaba bih, c'est sa maison, c'est chez lui. Le deuxième étage, il lui appartient. La salle de bain, elle est en train d'être finie avec le balnéo à côté. Il aura sa salle de bain en face avec le balnéo, douche jacuzzi, il est tranquille. Il est au deuxième étage, il n'y a personne qui le fait chier. S'il a envie de faire du contenu, il en fait. Désolé, on m'appelle. S'il a envie de faire du contenu, il vient. Il en fait, s'il n'a pas envie de parhaddem ou de prendre juste des vacances, marhaba en tout cas, c'est chez lui, il le sait très très bien. Suivez-moi, je vous montre. Alors bien sûr, déjà, on va commencer par le côté droit, ok? Le lit à mouillou merde. Alors, avant, il y avait des lattes. Vous savez, avant, il y avait des lattes. Mais les lattes, t'as vu, c'est pas moi qui les a cassées. Parce que je dors pas dans ce lit. Je dors pas dans ce lit, donc vous devinez bien qui a cassé les lattes de ce lit. Voilà, là, il y avait sa petite armoire. Je pense qu'il va falloir la changer. Là, il y a tout son setup, la famille. Il y a tout son petit setup avec le clavier. Son clavier, bon, il manque des touches. D'accord? Il n'y a plus de souris, il n'a plus rien. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris un nouveau tapis de souris. Donc, il a un nouveau tapis de souris, il est jdid. Il est neuf. Il a un casque de chez MSI, le GH20, qui l'attend. Il a une souris de chez Messi, un clavier de chez Messi. Je lui ai également donné une baffe parce que j'en avais pris deux, donc je lui ai donné une là-bas, donc il pourra mettre sa petite musique et tout. Je lui ai laissé une télé, je vais lui ramener aussi un écran de PC que j'ai en bas, que je vais lui monter ici. Il y a son bureau qu'il n'a jamais pratiquement pu utiliser parce qu'il a fini très très vite, mais ce qu'il est en prison quand j'avais fini sa chambre et quand j'avais fini son bureau, le pauvre. Il y a son siège gamer. Voilà. Il y a son PC gamer tout neuf, touche vide, reçu, toujours emballé. Voilà. Du coup, il y a son ancien PC qui est mort ici, que je vais le foutre en bas, hein, d'accord? Je le garde, on ne sait jamais. Il y a ici un endroit où il pourra faire sa petite déco, je pense. Ok? Il pourra faire, je pense, sa petite déco, ses petits trucs de manga, tout ça, tout ça. Là, par exemple, ça, dans le changement de la chambre, je ne vais pas y toucher. Pour la seule et bonne raison, je pense que sa décoration, elle lui sera propre. Peut-être, je sais pas moi, peut-être il voudra mettre une AK-47 avec des menottes ici, avec, je sais pas moi, sa tenue de prison ici en Espagne. Non, mais sérieusement, voilà la famille. D'accord? Maintenant, comment je vais disposer la chambre? Ça va être simple, clair et net. Je pense que le lit, déjà, je vais le changer d'endroit. Le lit de Momo, il va aller là, ici, par là. Je pense que le lit, je vais peut-être le caler soit ici, bam. Et comme ça, Momo aura sa petite télé ici, tranquillement, pépère, parce que je vais lui mettre une télé et il aura son setup. Comme ça, la famille, il sera pas toujours obligé d'être sur son setup. Il aura sa petite télé, hop, celle-là, on va lui mettre là, tac, il y a la prise, il y a tout, nickel. Son setup, on va venir le mettre ici, je pense, hop, de toute façon, on va mettre ici, comme ça, son setup, avec la porte qui s'ouvre, ça ne gênera même pas, ça sera carré. Son setup ira ici, son armoire, bah, elle ira, je pense, soit là, ou même peut-être là, toujours là, son armoire décalée un peu, son setup ici, et ça sera parfait, hein. Armoire ici, setup là, et avec le setup avec la caméra, hop, on verra directement derrière son petit lit avec sa petite décoration, tout ça, donc après, il disposera comme il veut. En tout cas, moi, je vous explique, je vais lui préparer tout ça, on va mettre tout ça bien correctement, propre,
On va mettre l'écran gamer, on va tout lui installer, tout ça va être bien propre, bien nickel. Je vais descendre ce PC-là, je vais commencer à descendre le clavier, je vais lui préparer sa play, on va descendre le... Non, le micro, je lui garde. Le micro, je lui laisse, ça, tout le merdier là, je vais m'en débarrasser. Les chaussures, hein, il les a tuées, ces chaussures. Je vais m'en débarrasser aussi. Le PC, je vais le détendre. Le lit, je vais le dégager, je pense. Je vais mettre dans la chambre des invités. Et mon frère, je vais l'acheter un nouveau lit. Comme ça, il aura un nouveau lit tout, je dis tout neuf, tout carré. Et puis voilà. Je pense que c'est déjà un bon début. On va essayer de changer ça. On va essayer de faire une atmosphère un peu plus sympa dans cette chambre. Et puis voilà, du coup. Bah, on se retrouve la famille, du coup, pour la suite de la vidéo. Je vais aller chercher son lit. Je vais aller chercher tout ce qui lui manque. Et voilà. Bah, à tout à l'heure. Bon, re tout le monde. On se retrouve pratiquement 3 semaines plus tard pour la finalisation de la chambre de Momo. Comme vous savez, sa sortie a pris du retard. Il a pris pratiquement une semaine, je crois 2 semaines de retard. Donc forcément, la vidéo a pris du retard aussi. Je vais rapidement vous faire découvrir sa chambre. Alors, sachez-le, j'ai mis le plus important, d'accord? Les détails, tout ce qui est lumière LED, tout ça pour que vous fassiez un style de waouh! Je l'ai pas mis. Parce que ça va être à lui de faire sa propre décoration après. Et ça va être à lui de mettre son univers dans sa chambre en fait. Donc, je vous montre rapidement. On est parti, let's go. Je vais tout changer. J'ai acheté un lit là. Regardez. Voilà le lit. C'est pas le même qu'avant. Hein, vous voyez directement. Voilà, je vais acheter un lit tout neuf, tout nouveau, matelas, tout sommier. Je viens tout installer là. Je viens de tout finaliser là. Là, je lui mets une armoire, une sorte de petite armoire pour qu'il mette ses petites affaires. Voilà une petite commode pour qu'il mette ses petites affaires et tout. Alors, il y a vraiment de quoi ranger. Il y a de quoi mettre ses habits. Ses habits pré-bloc. Je réparerai ça hors vidéo. On va vérifier les autres. Là. Et là. Alhamdoulilah. Un petit bug sur celle-ci. Ah non. Ah non, c'est celle-ci. Ok. Je répare après. Ok, bon. Des petites bougies sont bonnes. Ça sent très très bon en plus. Ils sont grave bons les bougies. Le petit disque de Jul, Loin du Monde. Voilà. Qui lui a été remis par l'équipe et par le frérot d'ailleurs. Et je remercie encore Jezix, hein, remis à Momo. Je sais que c'est un grand fan de Jul, donc je voulais à tout prix avoir ça pour lui. Et forcément, la famille. Voilà. La petite truc pour la décoration. Je vous avoue que j'ai voulu mettre un drapeau espagnol, des petites menottes pour le hype, tout ça, pour lui rappeler un peu l'univers, tu vois. Mais non, bref, en tout cas, ça, je l'ai remis. Je lui ai préparé son setup. Il manque juste un écran que je vais recevoir pour lui. Un deuxième écran, qui est deux écrans pour pouvoir bosser. Bon, vous avez pu voir là-bas qu'il avait une télé à côté de son lit et tout. Ça, c'est le petit coin perso. Là, le petit coin où il va pouvoir jouer à la play, s'amuser un peu, son petit univers. Voilà, donc je lui ai pris un, comme vous le savez, un casque, tapis de souris, on va y arriver, un clavier, souris, micro qu'il a déjà, la play, la manette, son nouveau PC qui est juste là. J'ai laissé l'emballage dessus pour pas qu'il prenne la poussière. Il sort dans une semaine à peu près, même pas. Son siège, bon, son siège que vous connaissez déjà, allez-y. Voilà, et j'ai pris une petite lampe, voilà, une petite lampe sympa qui va éclairer un petit peu sa chambre et tout ça, donc ça va être cool. Donc voilà sa chambre. J'espère que vous kiffez l'univers. J'espère que vous kiffez la chambre. Comme je vous dis, j'aurais pu mettre des LED ici, là, vous voyez, pour. Bon, j'ai eu l'idée, hein, tout seul, hein, de mettre des LED juste en dessous ici, comme ça, quand il est éteint, vous voyez, ça fait vraiment un truc bien éclairé et tout. Après, je me suis dit, Abdel, en fait, c'est sa chambre à lui, donc c'est pas à toi de faire les trucs. Peut-être qu'il va préférer, je sais pas, mettre les LED ici, je dis n'importe quoi. Hein. Ou peut-être qu'il va préférer les mettre en dessous du bureau, comme j'ai fait moi dans le bureau aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que ici, là, des LED, ici, là, juste là, là, ici, en dessous du bois, là. Tout le long, ça aurait fait éclairer tout le mur et tout le setup, ça aurait été trop beau. Après, ça, c'est mon avis. Après, lui, il fera comme il veut. Pour les décorations, il mettra ce qu'il veut, en tout cas. Voilà, la petite chambre de moi, son petit univers. Si il passe à la maison, bah, il y a sa petite chambre qui est prête, en tout cas, Mohim. La famille, on se laisse sur ça. Je vous dis, prenez soin de vous et de la Mifa. À très, très, très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que vous avez aimé le room tour du avant et du après. Voilà, en sachant que vraiment, j'ai tout changé, hein, ça n'existait pas. L'armoire d'avant, je l'ai dégagée. Ça, je l'ai remis. J'ai placé le disque. J'ai monté la télé pour lui. J'ai nettoyé. J'ai fait un coup de propre à la télé. J'ai rajouté cet écran. J'ai rajouté ben, la lumière ici que je suis allé acheter tout à l'heure. Le tapis que j'ai acheté tout à l'heure. Le sommier que je suis allé acheter tout à l'heure. Le lit que j'ai acheté. Des nouvelles serviettes. Des nouveaux draps. J'ai carrément pris des nouveaux coussins, pardon. Donc, vraiment, il est bien.
Il est très bien, même. Donc voilà, la famille. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. À très très bientôt. Merci encore. Salut à tout le monde.